Alors, je vais ouvrir nos travaux. Je salue la communauté diverse. Il y a à la fois des professeurs, des chercheurs, des italianistes, des philosophes. Et on va ajouter à tout cela des Russes, des Italiens, des physiciens. C'est un grand moment interdisciplinaire que nous engageons aujourd'hui. Alors, tu peux t'asseoir, Thibault. Je vais m'asseoir moi-même à l'instant. Je vous présente juste l'enjeu. C'est pas simplement de fonder un discours sur Dante aujourd'hui à Lyon 3, parce que Cécile Lelay l'a fondé depuis 3 ans. 4 ans, ouais, voilà. Ce point de ralliement, cette réflexion sur Dante, elle est déjà engagée. Et je remercie Cécile d'avoir accepté de lier les intérêts de la faculté des langues aux intérêts de la faculté de philosophie pour une convergence totalement interdisciplinaire, transnationale, transhumaniste, si vous voulez, pour nos débats d'aujourd'hui. L'enjeu, on va le dire tout de suite, il est lié à ce petit livre que bien peu d'entre vous ont lu. Je lis le titre, son auteur s'appelle Pavel Florensky, « Les imaginaires en géométrie ». Cet ouvrage date de 1922 et a été pris dans des mouvements à la fois calamiteux et immenses qui sont ceux de la Révolution russe. Et dans ce petit livre, il y a non seulement une conception des mathématiques et de la géométrie qui est développée, mais il y a, et c'est le point qui nous réunit aujourd'hui, une mention de Dante. Pourquoi ? Parce que Dante étant mort en 1321, en 1921, même à Moscou, même pendant le temps de la Révolution, on a tenu à célébrer Dante, le 6e centenaire de sa mort. Et ce mathématicien Florensky a cru bon d'intégrer ces fêtes, ces célébrations, faites par le régime communiste soviétique, en train de s'élaborer sous l'autorité de Lénine, a cru bon de faire une passerelle entre les sciences, les célébrations par l'État soviétique de Dante et Dante lui-même. Le problème, c'est qu'il l'a fait avec une telle acuité, une telle précision et d'une façon si inspirée qu'il a sans doute créé un événement irréversible dans la dentologie. Et ça, personne ne s'en est aperçu encore. Et le colloque aujourd'hui a pour vocation d'attirer l'attention à la fois des mathématiciens, des géomètres, et des dentologues sur le caractère irréversible de la découverte qui est faite dans ce livre. Cette découverte a un côté absolument sanglant et tragique, car l'homme qui a fait ça, mathématicien russe de l'école de Moscou, qui a travaillé pour le régime soviétique, en particulier il a travaillé à l'électrification de la Russie, a été assassiné par Staline. Il a été assassiné par Staline parce qu'il était par ailleurs prêtre orthodoxe et que de pousser aussi loin la compétence dans les sciences, aussi loin la compétence en physique, en particulier dans la théorie des isolants, permettant la position des câbles de l'électrification de la Russie, que cet homme est devenu dangereux, menaçant, parce qu'il gardait non seulement des convictions de prêtre orthodoxe, mais surtout parce qu'il était un théologien hors pair et qu'il a écrit une théologie orthodoxe, qu'on appelle, dont le titre est « La colonne et le fondement », ouvrage que l'on peut, à ce titre, à cette heure, ne lire que en italien quand on ne maîtrise pas quand on ne maîtrise pas, installez-vous mes amis, installez-vous. Oui, il y a une traduction en français. Ah, merci, parce que moi je l'ai lu en italien.
difficile à trouver. Et la traduction, parce que j'ai lu l'édition italienne qui est absolument remarquable. Alors je ne sais pas, elle était très... La traduction française a été aussi très bien faite. Très bien faite, parfait. Voilà, donc alors, cet homme est un théologien russe, est un grand mathématicien russe, et il n'est pas du tout un dantologue, vous le comprenez bien, hein, mais il a voulu ou il a cru possible de faire se rencontrer toutes les forces de son caractère multiple dans la Divine Comédie et à propos du sixième centenaire de sa mort, la mort de Dante, je veux dire. Comme par ailleurs, nous sommes engagés dans des manifestations, des célébrations qui sont celles de du septième centenaire de la mort de Dante. D'une part, c'est très naturel. Non, c'était un écroulement, sa mort, en effet, ça c'est sûr. Comme il y a ces événements, c'est utile, important de voir ce qu'on a fait pour le sixième centenaire. Mais l'élément qui nous importe ici, et que je vais formuler de façon plus élaborée dans mon propos écrit, l'enjeu de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de nous poser la question suivante. Peut-on appréhender l'espace dans lequel se déploie le pèlerinage souterrain de Dante dans la Divine Comédie? Peut-on le représenter dans un espace seulement euclidien, c'est-à-dire tridimensionnel, où la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, où il faut ouvrir des espaces donc non euclidiens, à commencer par la position de ce triangle sur une sphère, où la somme des angles n'est plus égale à 180 degrés? Cette proposition, hein, peut-il y avoir une lecture de Dante qui renouvellerait la mort de Dante parce qu'elle ne serait plus dans un espace euclidien? Voilà ce que pose la question qui est portée par ce petit livre. Alors j'en profite donc pour remercier Pierre Vanhove, parce qu'à la suite donc de rencontres tout aussi étonnantes que celles que nous faisons aujourd'hui, il a appris le russe, il a traduit ce livre qui avait déjà été esquissé en français par des intellectuels russes, d'après ce que j'ai compris. Il a trouvé un éditeur, il a même trouvé un appui politique, puisque c'est Cédric Villani qui a fait la préface de cet ouvrage. Cet ouvrage est donc la seule pièce, on peut dire la pièce à conviction du débat sur le rapport de la géométrie et Dante, et c'est donc pourquoi nous allons méditer sur lui aujourd'hui. J'ajouterais que dans ton livre, mon cher Pierre, il y a en plus d'autres documents, un document capital, c'est la lettre par laquelle Florensky répond à la censure. Répond à la censure qui veut que le document soit publié sans la conclusion sur Dante. Et ce texte est absolument bouleversant. Je dirais aussi, pour vous montrer le degré de folie dans laquelle les hommes peuvent tomber, l'extravagance insensée de l'humanité, c'est que les censeurs comprenaient que quand Dante parle de Virgile, c'était une façon pour Florensky de parler de Lénine. Vous vous rendez compte où va l'humanité? De toute façon, ça ne vous étonnera pas, car les choses se développent comme cela aujourd'hui encore. Donc, c'est surtout de pire en pire. Donc, il a écrit cette lettre, qui est absolument formidable, d'honnêteté, de grandeur d'âme, mais tout ça a fini dans un bois, à côté de Saint-Pétersbourg, fusillé lâchement, sans aucune reconnaissance de la contribution de cet homme aux sciences, à la connexion entre les sciences modernes et la théologie, et enfin à la singularité absolue que représente Dante. Je dis, pour ceux qui suivent mes cours et qui s'intéressent à d'autres propos que nous tenons, c'est exactement dans les mêmes dates et pour les mêmes raisons que Guénon a écrit son livre sur l'ésotérisme de Dante. Et donc vous comprenez, hein, la convergence de ces dates. Autour de 1921, il y a eu un effort intellectuel de l'humanité pour aller plus loin dans la connaissance de Dante, remarquable. Alors la journée se présente ainsi. Je fais quelques propositions théoriques. Je suis secondé par Thibaut Bernard Ellis, qui est un artiste des Beaux-Arts de Grenoble et qui a lui-même développé une géométrie sur la base de Florensky.
Thibault est mon ami depuis longtemps. On a déjà fait une expérience ensemble à Florence, où il a utilisé les modèles mathématiques de René Thom pour dessiner la Divine Comédie. Et j'espère toujours qu'un jour, on pourra à nouveau présenter cette exposition. Ensuite, Cécile Lelay nous parlera du problème de la géométrie chez Dante et fera un exposé, au fond, proprement dantologique. Et ça, c'est le point qui montre notre interdisciplinarité. Il y aura des exposés plus proches de Florensky, d'autres plus proches de Dante. On cherche un point. C'est comme si on cherchait à faire se rejoindre un arc ogival et on cherche à mettre la pierre fêtière. Cet après-midi, donc Pierre Vanov va nous présenter les mathématiques de Florensky. Et lui, il laissera une place à Dante, dont ce n'est pas, bien sûr, le métier et la spécialité. Et c'est Marco Bersanelli de la Statale di Milano qui viendra, lui, en physicien, nous apporter son Dante. Alors, enfin, tout ça va se passer beaucoup sur les écrans, mais moi, je suis un archaïque, j'ai encore écrit à la main. Voilà. Mais c'était en pensant à vous, bien évidemment. Alors, si tout le monde est d'accord, je vais commencer par proposer quelques approches, et puis nous allons ensuite donner la parole, ou plutôt donner l'image à Thibault. D'accord ? Alors, donc ce que je voulais mettre en avant, c'est que l'entrée dans le commentarisme de Dante suppose de passer par les différentes phases de l'interprétation de Dante et l'histoire de ce qu'on appelle donc la dantologie. On peut observer que les révolutions dans la dantologie sont extrêmement rares. Les grandes révolutions dans la dantologie ont reposé sur l'introduction de nouveaux modèles pour interpréter cet auteur si mystérieux et si difficile. Si, globalement, jusqu'à la Renaissance italienne, la dantologie repose sur une adéquation entre la doctrine chrétienne dans sa version thomiste ou inspirée d'autres auteurs comme Albert le Grand. Il est certain que jusqu'à l'époque de Marcille Ficin, le modèle dominant est la scolastique et l'adéquation entre le projet dantesque et la scolastique. Les difficultés que pose ce modèle théorique, qui va être prolongé jusqu'au XXe siècle, les difficultés que pose ce problème théorique sont nombreuses, car il y a un forçage sur des points difficiles où l'emboîtement ne se fait pas. Alors la solution technique qui avait été trouvée, c'était de dire que Dante parlait tantôt comme philosophe, et par philosophe il fallait entendre un philosophe théologien, c'est-à-dire un théologien inspiré de modèles scolastiques, et d'autre part comme poète. Et les excès du texte dantesque par rapport au modèle scolastique étaient sollicités à partir de cette division théologien-poète. C'était le more poetico, hein, la façon des poètes. Et si on arrivait à produire une réduction maîtrisée, le propos poétique pouvait s'intégrer pour ce qu'on appelait un bon sens, c'est-à-dire un sens orthodoxe, un sens magistral, si vous voulez, bon sens théologique. À partir de Marcille Ficin, il y a un autre modèle qui émerge, c'est le modèle du néoplatonisme, et qui sera réalisé par un ami de Marcille Ficin, Landino, et donnera lieu à un des plus beaux livres de l'histoire de l'imprimerie, un ouvrage qui sera à la fois le commentaire néoplatonicien de Dante et l'illustration, déjà, hein, par Botticelli des phases clés de la progression dantesque et du commentarisme de Landino. Ce modèle va connaître lui aussi son déclin. Un troisième modèle qui est celui qui nous intéresse le plus sans doute aujourd'hui. Troisième modèle fait irruption à la fin du XVIe siècle, c'est le modèle de Galilée. Vous savez que Galilée a écrit un texte sur Dante et j'insisterai sur le fait qu'il ne se confronte pas directement avec la géométrie de Dante, mais plutôt avec l'arithmétique de Dante. C'est le problème de ce qu'on appelle la mesure de l'enfer. Et le problème de la mesure de l'enfer, c'est de savoir si on peut faire une proportion entre un point où Dante donne une mesure précise d'un objet, c'est-à-dire la pomme de pin,
qui se trouve de bronze dans un des jardins du Vatican, et il construit la géométrie de l'enfer à partir de la mesure que représente cette pomme de pin, qui est une immense pomme de pin qui fait au moins 15 mètres de haut, 10 mètres de haut, et c'est à partir de cette mesure que Galilée construit le modèle mathématique, arithmétique de la Divine Comédie. Ce modèle, c'est donc ce troisième modèle, va connaître deux développements, ou a connu deux assises préalables majeures. Dès la fin du XVe siècle, des architectes sont intéressés à la structure de l'enfer. Et Brunelleschi, c'est-à-dire celui qui a fait la coupole de Florence, s'est inspiré de la géométrie de Dante pour construire la coupole de Florence. Nous en avons la preuve par un ami de Brunelleschi qui s'appelle Manetti. Et Manetti avait fait un essai de géométrisation et de calcul des mesures de l'enfer. En somme, si vous voulez, Galilée reprend et perfectionne le modèle de Manetti et de Brunelleschi, dont évidemment le premier fruit, la coupole de Florence, ce qui vous montre évidemment l'intersection des arts et la complexité de l'humanisme italien. Ensuite, il va y avoir un oubli de Dante. Dante va devenir un objet philologique, ce qui pour une bonne part il est resté. C'est la Crusca, c'est les éditions commentées de Dante, pour en donner la pureté grammaticale, les textes les plus originaux possibles, les éditions les plus précises possibles. Il n'y aura de véritable modèle théorique nouveau qu'à partir de Vico, qui suppose ce modèle majeur, pardon, selon lequel la Divine Comédie représente l'histoire de l'humanité, et son objet n'est pas donc une géométrie ou un espace, c'est un temps. C'est un temps, car plus exactement encore, c'est trois temps. L'enfer, c'est l'âge des dieux. Le purgatoire, c'est l'âge des héros. Et le paradis, c'est l'âge des hommes. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ici du cours sur Vico, mais vous le savez vous-même très bien, ce sont des couches de sémantique qui sont disponibles dans la psyché humaine et qui s'investissent selon une cyclicité inévitable. Les hommes commencent toujours à construire leur monde temporel avec des divinités, ensuite avec des héros, enfin avec des hommes. Et penser l'histoire, c'est penser l'intersection de ces trois rangs ontologiques, ce qu'il appelle ces trois métaphysiques poétiques, dans tout acte humain, c'est-à-dire aussi bien ce que nous faisons aujourd'hui que dans l'interprétation de la chute de Rome, que dans l'interprétation de l'histoire globale de l'humanité, par exemple de la Chine, du Japon ou de l'Italie. Ce modèle va connaître un rebond remarquable grâce à un poète admirable qui s'appelle Foscolo. Et Foscolo va ouvrir cette nouvelle renaissance de Dante en inventant le concept de Dante prophétique. Le Dante prophétique, c'est un Dante le Dante prophétique, c'est un Dante qui porte sa vision à la fois donc comme poète, et on retrouve le modèle médiéval du mode poétique de la parole, mais cette parole n'est pas simplement une figuration, mais est une vision qui est créatrice d'un monde, exactement comme chez Vico, le poème est créateur de monde. Enfin, célébration de l'aspect créateur de l'espace dantesque va avoir tout son développement dans le 19e siècle, mais curieusement plus dans le 19e siècle français que dans le 19e siècle européen. C'est ce qu'a mis en évidence Anthony Rousset, qui a nous fait le plaisir d'être présent ici dans sa thèse. Et comment Delacroix, comment Rodin, comment jusqu'à Malraux, il y a un Dante créateur et qui devient l'axe de l'interprétation de son œuvre. Cependant, la dantologie va prendre un tour majeur à la fin du XIXe siècle, renonçant à cette vision, ou en tout cas se superposant à la conception foscolienne du Dante prophète. C'est le Dante de ce qu'on pourrait appeler positif,
qui consiste à reposer sur un travail philologique tel que la déontologie devient une correction des manuscrits, une correction des textes, une fabrication d'édition. Et la grande date de 1921, c'est d'abord la production d'un volume déjà extrêmement retravaillé, philologiquement purifié de Dante. Et ce volume a donné lieu ensuite à des développements qui vont jusqu'à nos jours, car il se prépare aujourd'hui une nouvelle édition pour 2021 qui sera digne, bien sûr, des travaux de 1921. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'à partir de là, on entre dans une crise très profonde de la déontologie. La déontologie, au fond, n'a pas mis en cause le modèle galiléen, c'est-à-dire le modèle euclidien, qui est aussi celui de Manetti ou de Brunelleschi, dans la construction de son espace. L'espace n'a pas bougé. Et il devient, au fond, même mécanique, parce qu'au fond, qu'est-ce que la philologie ? La philologie, ça consiste à construire le texte sur la supposition que c'est le sens littéral qui est la base de l'interprétation du texte. Et donc, qu'est-ce qu'un sens littéral, si ce n'est justement une interprétation dans un espace euclidien de l'œuvre de Dante ? Donc, l'euclidisme, si vous voulez, n'est plus nommément géométrique aujourd'hui, il est devenu philologique et il est devenu l'axe organisateur de tous les mouvements qui cherchent à rétablir le sens littéral de l'œuvre de Dante. On obtient donc un déclin du modèle prophétique en faveur d'un modèle littéral qui va recouvrir les travaux des plus grands déontologues du XXe siècle. On ne va pas parler des Italiens ici, mais saluons Étienne Gilson qui représente à la fois cette composition entre connaissance historique, construction d'un espace aristotélicien et modèle euclidien de l'interprétation de l'œuvre. C'est ainsi que se dévoile au fond une des dynamiques de la déontologie au XXe siècle, c'est réduire l'essence allégorique, tâcher d'en contenir la portée, réduire l'essence qu'on pourrait dire ésotérique de l'œuvre, c'est-à-dire toute la profondeur polysémique de l'œuvre, même si hein, dans la lettre 13, Dante dit bien « mon œuvre est polysémos hein, », donc elle a plusieurs sens. Mais la tendance du XXe siècle, c'est réduire à un sens littéral n'accepter comme sens polysémos, comme pluralité de sens, que ce qu'on pourrait appeler un sens littéraire. Alors, un sens littéraire dont les deux figures, une immense et l'autre plus proche de nous, hein, la première figure de cette relecture littéraire de Dante, c'est Joyce, aussi Mandelstam, on peut le reconnaître, et la figure la plus proche de nous, c'est Solers. Solers propose un Dante comme littérature, la littérature comme fait déontologique. Et comme vous le voyez, ceci repose sur la notion de texte, sur un rapport au texte qui soit, au fond, c'est le texte qui absorbe la polysémie. La polysémie ne vaut plus comme construction d'espace, mais il n'y a d'autres polysémies possibles que, au fond, la machinerie productivité du texte. Le sens est un produit du texte. Et donc, l'allégorisme de Dante devient l'automachination du texte, tel que cela a été théorisé par Solers, par Barthes, toute l'école, on pourrait dire, du structuralisme de la lettre, tel qu'il s'est développé à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes dans un espace où règne avant tout, la construction historique, philologique, la recherche d'une causalité littérale du texte à travers ses influences, à travers ses intertextualités, la lecture poétique ou littéraire est ouverte sur un mode de plus en plus large et au fond ne porte plus une thèse. Solers, dans son livre « L'écriture des, la littérature et la théorie et l'écriture des limites », est encore porteur d'une thèse.
Mais aujourd'hui, il y a des pratiques plus ou moins aléatoires, dont la forme la plus extravagante est au fond le Vinci Code, l'Inferno, donc des usages, un ésotérisme de Dante dans une dimension qu'on pourrait dire de fun literature, de littérature de distraction, donc un mélange d'effectivité du texte et de reprise des traditions interprétatives. Dans tout cela, et cela maintenant nous fait retourner à notre objet, mesurons l'ampleur de ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre une phrase de Hegel, la remarque spéculative de Florensky. Florensky dit, et je vous lis le texte pour que vous le voyez dans toute sa clarté, il dit que, donc c'est dans l'ouvrage, page 71, hein, quand il dit, je vous lis ce passage capital, « Rappelons pour commencer l'ossature même de la cosmologie de Dante. Il est d'autant plus indispensable de le faire que l'image suivante est généralement donnée dans les commentaires sur la Divine Comédie, dans la tradition justement de Manetti et de Brunelleschi. La sphère terrestre est entourée par les sphères des corps célestes, par le ciel des étoiles immobiles, par le ciel de cristal, et enfin par l'Empyrée, et le chemin parcouru par Dante en sortant du sein de la Terre suit le tracé d'une ligne brisée qui passe en spirale par les sphères concentriques et se courbe à 180 degrés vers le zénith de Sion. » Et là, la phrase clé qui change le destin de la dantologie, à mon sens. Mais ce dessin, qu'on retrouve par exemple dans les illustrations aussi de Botticelli, hein, mais ce dessin ne correspond ni à la narration de Dante, ni au fondement de sa cosmologie. Le tableau de cet univers ne peut pas être représenté par la géométrie d'Euclide. Donc vous voyez, cet homme, ce russe, qui ne semble avoir aucune vocation à lire particulièrement Dante, par cette seule phrase, fait pivoter l'intégralité d'une lecture euclidienne de l'espace dantologique. Le tableau de cet univers, donc, ne peut pas être représenté par la géométrie d'Euclide, de même que la métaphysique de Dante, autre phrase fulgurante qui est difficile à bien comprendre et que je veux souligner, donc de même que la métaphysique de Dante est incommensurable à la philosophie de Kant. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? Bien sûr, c'est le néo-kantisme des savants de cette époque, mais ce n'est pas du tout ça qu'il veut dire seulement. Il faut que vous sachiez que des plongées vers des géométries non euclidiennes, il y en avait déjà chez Leibniz. Et que Kant a mis un terme à ce travail quand il a défini la géométrie comme construction de concepts. Car un concept qui est construit dans un espace. Cet espace, c'est l'espace de l'esthétique transcendantale. Or, l'esthétique transcendantale, les intuitions pures de l'espace et du temps sont euclidiennes. Donc Kant a rendu, tant qu'on est kantien, c'est le problème crucial du kantisme, tant qu'on est kantien, on ne peut pas proposer une géométrie non euclidienne, parce que le concept géométrique se construit dans les intuitions pures. Et comme il se construit dans les intuitions pures étant tridimensionnelles, vous ne pouvez plus donner une Darstellung de l'espace dans les intuitions pures. Vous comprenez le caractère donc parfaitement dogmatique d'intuition pure du kantisme. Bien sûr, ça ne retire rien à ce que Heidegger a pu trouver dans les intuitions pures de Kant, n'est-ce pas? Mais le fait que Florensky identifie le blocage non seulement des sciences, mais d'une science toute particulière qui est la dentologie, manifeste à quel point il touche juste. Kant est ce qui bloque, au fond, j'allais dire transcendantalement, la dentologie. Et au-delà du jeu de mots trop facile entre Kant et Dante, qui est un peu tentant, faut le reconnaître. Donc, je le reprends. Si Gilson, si Barbie, là je cite des gens qui ont fait des grands commentaires de Dante, même Pézard, ne peuvent pas opérer la révolution qui est programmée ici par Florensky, c'est parce qu'ils sont kantiens, c'est-à-dire non seulement soumis à la physique de Newton, mais à la tridimensionnalité des intuitions pures. Et la grande idée de Florensky, c'est qu'il faut faire sauter ce verrou
des intuitions de l'esthétique transcendantale, pour accéder non seulement à Dante, mais pour accéder véritablement à Aristote et à Ptolémée. L'idée de fond, c'est que Aristote, le monde aristotélicien, qui est la base bien sûr de le monde de Dante, et le monde ptolémaïque, sont bouchés à l'interprétation à cause de la domination des intuitions pures kantiennes sur le monde positiviste. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure que va régner un Dante positif à partir de 1880, à la fin du XIXe siècle, après le grand déclin de la dantologie poétique de Foscolo, ce que j'aurais pu vous dire tout simplement, c'est que c'est imposer un verrou transcendantal, dont la phénoménologie elle-même va être héritière, pensez-le bien, un verrou transcendantal à l'intelligence européenne. Or, qui a été capable de remettre en cause ce verrou transcendantal? Bien sûr, la réponse initiale a été déjà donnée, c'est Leibniz. Mais lui-même a été retardé dans ses effets à cause de ce verrou transcendantal. Et précisément, à l'instant, et dans le passage que je vous lisais à l'instant, c'est Florensky qui a montré ce qu'on pourrait appeler la révolution copernicienne, qui était nécessaire pour pouvoir donner accès à la véritable profondeur de Dante. Alors, il ne me reste plus qu'à conclure. Si on sait que Newton, Kant sont en réalité des sous-traitances métaphysiques, physiques de Galilée, on s'aperçoit que on pourrait dire d'une façon absolument claire et tranquille que la dantologie est soumise à un modèle galiléen. Et que en remettant en question le modèle galiléen dans les mathématiques, dans la physique et dans la dantologie, Florensky propose donc ce qu'on pourrait appeler un nouveau modèle, au sens de Kuhn, d'approche de la dantologie. Au fond, il a proposé, ce qu'on pourrait appeler dans le vocabulaire de Kuhn, une aporie fondatrice en créant ce défi. Maintenant, lisez d'une façon non euclidienne Dante, et vous obtiendrez un événement spirituel, pas simplement intellectuel, spirituel majeur. Alors, je vais m'arrêter sur ce point. Je vais, car bien sûr, je n'ai pas suivi mon texte comme c'était tout à fait prévisible. Je voudrais ajouter encore un élément spéculatif qui vous montre la difficulté de ce qui est en jeu. Si on abandonne cet ouvrage, qui est le seul ouvrage où Florensky a parlé de Dante, pour se tourner vers la colonne et le fondement. Dans la colonne et le fondement, c'est un ouvrage pour nous très difficile à lire. Je vous le dirai, j'ai eu beaucoup de mal à supporter ce livre en lisant une première fois. C'est seulement en lisant une deuxième fois que j'ai réussi à me calmer et à le lire en profondeur. C'est donc une dogmatique de l'orthodoxie en 12 lettres qui commence par de très beaux poèmes admirables, de descriptions de la nature, absolument stupéfiants. Florensky avait des talents d'écriture hors du commun. Et après, ce sont des prières à Dieu. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile de tirer quelque chose de tout cela. À la suite de ces prières à Dieu, il y a des spéculations. Alors, pour ceux qui sont un peu techniciens, c'est du Schelling. Globalement, c'est du Schelling. C'est la reprise des meilleures intuitions de la philosophie positive de Schelling. C'est tout à fait naturel, d'ailleurs. Hein, c'est Schelling qui a été transféré en Russie, avec Hegel, mais les spiritualistes russes, les églises, enfin l'église orthodoxe, a bâti à partir de Schelling, qui a donné lieu à ce mouvement extraordinaire qu'on appelle donc la cosmosophie russe. La cosmosophie russe est un développement de la philosophie de la révélation de Schelling. Donc c'est du Schelling, mais au sein de ces développements schellingiens, il y a des intuitions mathématiques, des intuitions géométriques extraordinairement profondes. Et il y en a une que je voudrais vous exposer maintenant, et ça sera donc le dernier point de mon intervention. Il va faire le contraire de ce que je proposais à l'instant, c'est-à-dire il va refuser le lien avec Leibniz. On aurait pu dire, hein, il fait sauter le verrou transcendantal, il va retrouver la base monadologique, et par conséquent, il va proposer une harmonie préétablie,
Et à partir de là, il va mettre en cause les limitations de la réception de Dante sur cette base. Eh bien, tout à fait au contraire, il va attaquer Leibniz. Il va attaquer Leibniz en disant « Le calcul infinitésimal a produit un modèle pour l'épistémologie qui est néfaste. Ce modèle pour l'épistémologie, c'est le modèle du continu. En effet, les espaces infinitésimaux sont des espaces qui ne rencontrent au fond jamais leurs limites et il y a toujours un infini qui vient s'interposer entre la dernière coupure du continu et la première assise, si vous voulez, de la limite. Et donc, il y a une infinité d'infini dans un espace continu. Et donc, Florensky soutient la thèse extraordinaire, c'est qu'en fait, le calcul infinitésimal est déjà la base du transcendantal kantien. Bien sûr, pas sur un mode de limitation géométrique, mais continu est la construction d'un espace qui n'insère plus en son sein aucune rupture possible. Le continu peut au mieux se courber et produire des espaces sphériques. Mais il ne permet plus de s'ouvrir à aucune forme de transcendance. On ne peut plus passer la limite dès lors qu'elle est conçue à partir du calcul infinitésimal. La thèse de Florensky consiste donc à dire il doit y avoir un modèle géométrique qui permet d'intégrer l'événement de la rupture. Et il soutient que, aussi bien en mathématiques de son temps, donc on est en 1904, hein, le traité sur Dante, enfin, les imaginaires datent de 1922, en 1904, donc quand il écrit La colonne et le fondement, il soutient que les mathématiciens sont en train de travailler dans la suite de Cantor à remettre en question cette appropriation continue de tous les objets de la science. Au fond, l'épistémé qui construit le règne de la technoscience dans la modernité est basé sur le continu, mais il doit y avoir des crises, si vous voulez, au niveau des grands développements de la théorie de l'espace qui permettent d'intégrer des sauts dans les équations et par conséquent mettre un terme à au prolongement infini du continu. Il dit que ceci s'est vérifié aussi en philosophie à travers l'école des cosmosophes russes et en particulier de Solovyov, métaphysicien russe qui invente un modèle de l'absolu qu'on appelle l'unitotalité, là encore extrêmement inspiré en fait de Hegel et de Schelling, mais qui met en cause l'appropriation continue de l'espace. Et donc, il va poser deux thèses, et je m'arrête enfin, mon cher Thibault, deux thèses, une donc proprement solovienne et une autre mathématique qui peuvent nourrir notre réflexion aujourd'hui. Donc la thèse Solovyov, qui est reprise par lui et qui est au cœur de sa recherche en 1904, avant même qu'il ne connaisse rien de Dante, hein, la vérité, dit-il, est intuition-discours. C'est-à-dire que la vérité doit se trouver au point d'articulation de l'intuition et du discours. Et cette proposition que je n'ai pas le temps ici de développer, mais qui veut dire qu'il y a une discursivité de l'absolu, mais que, inversement, cette discursivité ne peut pas être le discours de son discours, mais doit être le discours d'une intuition. Hein, la vérité n'est pas le discours d'un discours, enfin, c'est la thèse de Kojève, mais être l'intuition, le discours d'une intuition. Il doit y avoir une réciprocité permanente de l'intuition et du discours. Et donc, la chose que je poserai aujourd'hui à titre de programme de travail, ne pourrions-nous pas nous-mêmes définir la Divine Comédie comme une intuition-discours, c'est-à-dire précisément une discursivité nombrable, puisqu'il y a un nombre de mots comptés dans la totalité du fait de la Divine Comédie, mais que l'ensemble de ces mots sont des mots d'une intuition qui la gouverne, qu'on appellera la circularité de l'amour.
Inversement, la circularité de l'amour n'aurait pas d'être pour une conscience si elle ne s'écrivait pas dans un discours qui la constitue. Donc ça, c'est la première proposition. Et deuxièmement, dit-il, hein, si on pense l'infini comme une unité complexe, si on revient au modèle, dit-il, alors, très mystérieusement, hein, de l'infinité actuelle des mathématiciens, hein, l'infinité actuelle des mathématiciens, il sera possible d'inventer des espaces par-delà les espaces du continu. Des espaces qui soient par-delà la vitesse de la lumière. Des espaces qui peuvent très bien résonner avec des travaux qui ont été faits ici déjà à Lyon 3 avec les multivers sous l'autorité de Parocchia. Hein, des espaces qui multiplieraient au fond des univers à tout le moins possible au-delà de la vitesse de la lumière. Et le continu serait donc vaincu par la lumière. Au fond, on pourrait dire le continu, c'est la lumière, mais il doit exister des possibilités de faire varier le coefficient lumineux. Ce qui est en dessous de la vitesse de la lumière peut s'écrire dans des espaces continus, et ce qui s'écrit au-delà de la vitesse de la lumière permet d'écrire d'autres intuitions-discours. Et Dante séjourne dans ces intuitions-discours post-lumineux, ou on pourrait dire paralumineux, dans une expérience spirituelle qui serait donc de la variation de la vitesse de la lumière. Alors, je m'arrête, parce qu'après, ça commence à être l'objet mathématique qui me dépasse entièrement, donc je vais transmettre cet après-midi la parole à mes collègues. J'ajouterai juste que ce que j'ai dit sur la lumière, je l'ai un tout petit peu perverti, faut me pardonner pour la clarté. Les thèses sur la lumière ne sont pas dans la colonne et le fondement, mais sont dans le texte sur Dante. C'est-à-dire, j'ai utilisé la maturité de 1922 pour mieux éclairer les propositions sur le discontinu et la loi de discontinuité dans la colonne et le fondement. Mais je suis autorisé à le faire parce que dans les imaginaires, donc dans le texte de 22, il met au centre, hein, de son entreprise la nécessité de la discontinuité comme accès à la dentologie. Une vraie dentologie fait face à la question du discontinu. Alors évidemment, quand vous allez entrer à la SDI à Florence, ou quand vous allez aller aux séances de la SDDF à Paris, vous ne verrez pas tout à fait ou régulièrement mise en œuvre des enjeux pareils, vous vous rendez bien compte. Mais vous qui aurez été ouvert à cet aspect, vous pourrez vous demander à chaque instant, est-ce que cet homme me parle d'une intuition discours? Est-ce que cet homme fait face la discontinuité du calcul infinitésimal? Et troisièmement, est-ce que cet homme ou cette femme qui parle, hein, est en mesure de penser sa Béatrice à partir de la vitesse de la lumière? S'il y parvient, ça sera un homme merveilleux. Voilà, je donne la parole à Thibault qui va finir ce que nous avons commencé ensemble. Pour faire écho à votre discours sur l'euclidien, en redessinant justement l'étude de Galilée sur la taille de l'enfer, il a commis une erreur en fait. Galilée ? Oui. Vous êtes excellent, mon ami. C'est, à force d'être trop littéral, on perd les pédales. Donc si Dante est supérieur à Ovide, c'est qu'il travaille ses transformations tendues dans des effets de miroir qui referment des cercles concentriques à un axe, au point d'un axe, créant des analogies à tous les niveaux possibles. C'est pourquoi on peut dire que terre et ciel ont mis la main au poème, suivant des formes géométriques immuables et célestes incarnées dans des formations et transformations terrestres de la matière. Dans transformation, on peut dire que le ciel fournit le trans et la terre les formations. Je crois que la Divine Comédie peut, dans sa forme la plus archaïque, être un miroir à 360 degrés. Symétrie que l'on retrouve jusque dans la structure des rimes de la terza rima, identique au parcours de Dante, spirale autour d'un axe formant des symétries. Je vais tenter de vous expliquer les bases d'un schéma ayant pour but de synthétiser en un regard les géométries mises en place par Dante, ce qui convoque ici Aristote et la Bible, mais aussi René Guénon, et par sa lecture de Dante, les ponts vers les métaphysiques traditionnelles de toute l'humanité. Enfin, la lecture de Dante par Florensky épouse parfaitement ce schéma et finira par convoquer la physique moderne et les géométries qu'elle croise. Pour expliquer cela, il faut partir au plus près de la surface du miroir.
Pour expliquer cela, il faut partir de l'arbre de vie, au pied duquel coulent les fleuves qui le reflètent à l'envers dans sa surface. Mais pour celui qui regarde de l'autre côté de la rive, il voit cet arbre comme planté par le haut, enraciné au ciel. Supposons maintenant, comme dans la caverne de Platon, que l'arbre vrai soit caché à la vue et qu'on ne voit qu'un reflet aplati des choses. Celui qui revient de l'extérieur de la caverne ou de l'autre côté du ruban de Möbius, celui-là se fait tuer parce qu'il a dit que le monde et la géométrie étaient courbes et non plates, alors qu'usuellement le sol est plat et que la vue en perspective se bâtit de lignes droites. Or cet arbre inversé, Dante le voit deux fois lors de l'ascension du purgatoire. On retrouvera son symbole également chez Platon, dans l'hindouisme et dans le folklore et jusqu'en Sibérie. Le tronc de l'arbre est l'axe du monde autour duquel les symétries vont opérer. Les racines de l'arbre sont le principe des choses et les feuilles sa manifestation dans le réel. Puisque le principe est invisible, les racines sont cachées sous la terre au niveau de l'eau. La surface de l'eau est l'émanation du principe même puisque l'origine est l'alliage de tous les reflets. C'est par l'axe du monde qu'on s'élève. Les ramures en étage du sapin forment une échelle. Par lui, on monte jusqu'à la racine des choses. Vous remarquerez que les racines de tous les arbres sont toujours tournées vers l'eau du principe afin de puiser sa sève et la manifester dans les formes matérielles. Ainsi, la matière exprime les formes comme un verbe, forme qui lui donne un sens à la fois sémantique et directionnel. Mais le monde manifeste brise les symétries par déformation du reflet dans la surface de l'eau en mouvement, et la signification ne se tire pas de formes fixes. Disons que les formes fixes sont plutôt les attracteurs de transformation qui constituent comme des phrases qu'il faut apprendre à lire puis à écrire par géométrie. C'est ce que nous allons tenter de faire ici. Que ce soit dans l'intrication des vers de Dante et les transformations analogues qu'il y subit, ou que ce soit finalement dans la propriété de l'eau à refléter le ciel, dans la verticalité des arbres, dans les sphères célestes et la rotondité des planètes, que ce soit dans les arcs-en-ciel qui divisent l'unité imperceptible de la lumière, que ce soit dans la circularité du nid des oiseaux. Nous allons tenter de lier en un volume tout ce qui par le monde s'effeuille en substance et accident, et bien que notre dire ne pourra qu'énumérer les reflets pris dans le vent et les bifurcations en branches, il permettra d'en tracer la forme universelle, le continu sous les discontinuités, de faire que le langage humain coïncide au langage divin par rigueur autant que par passion. Ainsi, lorsque Dante arrive au paradis terrestre et franchit la surface des reflets, un renversement se produit. Si on suit la géométrie en place, il est remis dans le sens droit qui était perdu au début du poème, et pas seulement du poème, puisqu'il est perdu dès le début de la Bible. L'homme est expulsé du paradis terrestre et chute. Le trajet de Dante est donc de remonter à contre-courant la chute d'Adam, comme un poisson remonte une montagne jusqu'à la source de ses torrents. La perfection des symétries est respectée car de l'eau est aux racines, tombe et coule le long du tronc, telle une rosée tombée du ciel. C'est comme si l'eau du paradis, reflétant l'image de l'arbre, coulait dans son image et en répandait l'influence céleste jusque dans le monde sensible. C'est par la pénétration de l'eau dans son propre reflet que l'eau arrive jusqu'en bas, comme si la surface de l'eau imbibait son image, se reflétait elle-même dans le pli d'une onde. C'est dire enfin que cette eau coule le long du tronc comme une sève qui monte dans l'arbre de vie. Voilà l'analogie. On remarquera que même les arbres de notre hémisphère, ceux de la forêt obscure, sont dans la terre les racines vers le ciel du paradis. Ce n'est que par habitude d'être inversé que l'homme voit les arbres qui l'entourent droit. En effet, depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme n'est qu'un reflet à l'envers dans l'eau du principe. Cette chute est similaire au mythe de la séparation de l'androgyne primordial en homme et femme. C'est pour cette raison que la remise à l'endroit est un retour à cet androgyne, expliquant le rôle de Béatrice comme initiatrice de Dante permettant de réunifier la séparation. Expliquant que Béatrice femme se fasse appeler Adam par ses serviteurs, signifiant son atteinte de l'état édénique, symbolisée dans la cabale juive par l'union d'Adam et Lilith, née de l'argile premier, et non du côté déséquilibré d'un masculin originairement briseur de symétrie. Pour le dire encore autrement, le Tao, la voie qui est un axe, se situe entre le yin et le yang. Partant de là, il y a nécessité de s'initier, c'est-à-dire de subir une série de retournements et de déformations afin de retrouver le sens droit de la dimension édénique. C'est pourquoi Dante descend sous la terre. Et c'est à son point central, au passage du sexe de Lucifer, qu'un premier retournement a lieu. Comme pour l'arbre, Lucifer est une échelle, mais déraciné du ciel, jusqu'à ses pieds de l'eau pareillement coule, mais à son torse tout est gelé. Ce retournement aura aussi sa symétrie jusqu'au ciel, où la forme des trois têtes de Lucifer se reformera par jonction des triples cercles de la Trinité, comme ici.
Il y a trois retournements dans la Commedia. Premier retournement de sens en enfer, deuxième retournement dimensionnel au purgatoire, troisième retournement de l'intérieur au paradis. Dante ne se contente pas du modèle et de son reflet, il implique, comme dans ses rimes, toujours l'axe de symétrie comme moment qui lui-même reforme des symétries jusqu'au fractal. Mais revenons sur Terre. Si on trace la Terre avec l'équateur, puis qu'on trace le trajet de Dante, on obtient le symbole alchimique du minéral, c'est-à-dire la force de gravité, l'attraction du mal, qu'il faut expérimenter jusqu'à l'épuiser. Puis, si on continue au-delà, on obtient le symbole alchimique du végétal, où la force de pesanteur se retourne en poussée, propre à l'ascension végétale vers la lumière du ciel, qui sera l'ascension de la montagne qui redresse. Poursuivons les symétries. Nous avons donc Jérusalem terrestre avec le Christ douloureux en bas de l'axe, puis le Christ glorieux, symétrique à Saint-Pierre, qui s'est fait crucifier la tête en bas, disant « Si vous ne faites pas gauche ce qui est droit, et droit ce qui est gauche, et inférieur ce qui est supérieur, et antérieur ce qui est postérieur, vous ne connaîtrez pas le royaume. » C'est donc comme si l'initié, à l'opposé des mœurs humains, faisait tout à l'envers pour anticiper l'effet de miroir, jusqu'à en trouver la surface et entrer dedans. Pour la compréhension, j'ai placé un axe dimensionnel dans lequel l'axe des Z est retourné vers l'intérieur. C'est comme si tout l'espace-temps sensible était réduit à deux dimensions, puisque n'étant qu'un reflet sur la surface du fleuve, ce qui permet l'ajout d'une quatrième dimension. En effet, dans un espace tridimensionnel, nous avons six directions apparentes, mais une septième existe, qui est dirigée vers l'intérieur, étant le point qui unit les axes dimensionnels, origine des dimensions. Ainsi, tout le paradis céleste se passe dans cette dimension verticale du point. Nous sommes entrés dans la racine, dans le point de contact avec l'eau, et ce jusqu'à ce que Dante rencontre le miroir ultime de l'œuf, c'est-à-dire qu'il rencontre son propre visage dans la Trinité. Il voit d'abord ses yeux dans ceux de Dieu, en se retournant sur lui-même comme un gant, il devient par fusion les yeux de Dieu, il devient le regard de l'amour qui lie les choses entre elles et meut les étoiles, c'est-à-dire il devient le point qui miroite à 360 degrés, l'axe de symétrie enroulé sur lui-même. Mais continuons, plaçons en symétrie les racines de l'arbre le long de l'axe X du fleuve, on obtient alors le symbole de l'analogie, soit deux flèches qui s'opposent, on trouve de ce fait la loi d'Hermès Trismégis, tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. On peut placer le yin côté terre et le yang côté ciel. Toutefois, la dimension réellement intérieure, c'est le tao, c'est-à-dire le vide se situant entre yin et yang, soit le point entre les deux flèches de l'analogie qu'on tire ici à la verticale pour en extraire comme les qualités différentes. Béatrice prévient Dante dès le début du paradis céleste que tout ce qu'il voit, les planètes, etc., n'est que symbolique et que tout a lieu hors de l'espace et du temps. En fait, dans un point qui a pour qualité d'être le seul objet géométrique à n'avoir aucune dimension. Tout a lieu dans l'invisible, dans la racine des choses. Les sept sphères des planètes sont comme la lumière divisée d'un arc-en-ciel qui en fait n'est qu'une. Béatrice conclut « Il faut parler ainsi à votre esprit, parce qu'il apprend du seul sensible, ce qui le rend ensuite digne d'intellect. C'est pourquoi l'écriture condescend à votre faculté et donne pied et main à Dieu entendant autre chose. Se rendre digne d'intellect est précisément la tâche de ce schéma, conjuguant les symboles les plus mythiques avec leur géométrie rigoureuse qui est le stade le plus élevé de la compréhension. » À présent, nous allons faire un détour par l'œuvre de Pavel Floransky, donc le mathématicien et prêtre russe, qui procède via une interprétation des nombres imaginaires en géométrie à un dédoublement de l'espace. Son œuvre, dans sa diversité, comporte une unité graphique et conceptuelle qui n'a peut-être jamais été soulignée. En effet, de la couverture du livre des imaginaires en géométrie qu'on voit ici, en passant par les schémas à l'intérieur du livre qui accompagnent ces interprétations mathématiques, et jusqu'à ces dessins, règne une unique manière de voir et de dessiner. Floransky représentera systématiquement un dédoublement du plan, avec une face réelle aux éléments pleins en noir, ici à gauche, et une face imaginaire inversée, ici à droite, où les lettres s'écrivent en miroir comme le O blanc, où les éléments blancs ne sont plus que signalés par leurs contours et leurs trajectoires dessinées par des pointillés, comme sur ce plan de hauteur nulle devenu double. La notion d'imaginaire dépend comme en relativité de la position de l'observateur par rapport au plan. Ainsi, l'aire d'un triangle peut devenir négative par un retournement du triangle à l'aide d'une troisième dimension. Enfin, voici un dessin de Floransky où on retrouvera donc les pointillés dans le passage de l'autre côté du plan, sur le retournement d'un homme dans sa dimension imaginaire. Ce qui est remarquable ici, c'est la présence du blanc dans la tête de l'homme, c'est-à-dire portant de manière irréductible l'imaginaire dans la réalité. Floransky fait vibrer le sens du mot imaginaire, ne le limitant pas à son aspect mathématique ni à son aspect philosophique. Donc je vais maintenant vous lire un passage de l'Iconostase, donc c'est un livre sur l'histoire de l'art de Floransky, qui donne à tout ça une portée plus vaste.
L'un de mes proches, qui s'attristait à la pensée de ses parents et amis défunts, se vit un jour en rêve marchant dans un cimetière. L'autre monde lui parut sombre et sinistre, mais les morts lui expliquèrent combien cette idée était fausse. Juste sous la surface de la terre pousse, mais renversée, les racines en l'air et les feuilles en bas, la même herbe verte et vigoureuse, celle du cimetière. Et même bien plus verte et plus belle, les mêmes arbres faits en bas et les racines en l'air aussi. Les mêmes oiseaux chantent, l'azur est aussi pur et le même soleil brille, et tout cela est plus radieux et plus beau de ce côté-ci. Est-ce que dans ce monde inversé, dans ce reflet ontologique du monde, nous ne reconnaissons pas le domaine de l'imaginaire, bien que cet imaginaire soit, pour ceux qui ont opéré ce retournement en parvenant jusqu'au centre spirituel du monde, quelque chose d'authentiquement réel, aussi réel qu'eux-mêmes? Ce sont les visages et les formes contemplées spirituelles des choses, perçues par ceux qui ont vu eux-mêmes leur image originelle, l'image de Dieu en grec « idée ». Donc, passage implicite sur les arbres inversés autant que sur le visage de Dante dans la Trinité en tant qu'icône. Chaque image a une position deux fois différente, dit Florensky. Et ce sera par exemple les deux côtés de la face unique du ruban de Möbius, permettant un dédoublement de l'espace entre les réels et les imaginaires, tout en fournissant la continuité de cette discontinuité qui permettra chez Dante l'analogie et ses reflets constants. Florensky remarque que Dante fait son voyage et revient à Florence en avançant tout le temps sans se retourner, dit mathématiquement « la surface qu'il suit est unilatérale et non euclidienne, et c'est elle qui se retourne », préfigurant ainsi des aspects de la relativité d'Einstein. J'ai donc replacé le trajet initiatique dans cette perspective. Nous avons, par cet arbre sombre, le début du voyage dans la forêt obscure, puis le retournement au niveau de Lucifer, suit l'ascension du purgatoire où l'arbre inversé se réincarne dans cette ombre de l'arbre de vie, arbre qui, placé dans sa dimension principielle, a regagné son volume et ses couleurs. Enfin, symétrie du diable, la Trinité. Ici, Dante subit le dernier retournement, retrouve la surface réelle, revient à Florence, écrit la Divine Comédie, où l'on pourra lire au premier chant du paradis « Soudain, le jour semblait s'être ajouté au jour, comme si le Tout-Puissant avait orné le ciel d'un deuxième soleil. » Cela signifie le passage dans la dimension imaginaire, à l'intérieur du ruban, ce qui veut dire que le réel est comme une ombre projetée de la lumière du principe et des formes du paradis. Les arbres sont l'ombre de l'arbre de vie situé au même endroit sur l'autre face du réel, éclairé de l'intérieur par un soleil densifié. Ici, on pourrait entendre résonner la théorie des cordes qui réduit l'espace-temps visible à une tranche qui n'est que l'ombre d'un certain nombre de dimensions mathématiques invisibles repliées sur elles-mêmes. Le réel en noir est en deux dimensions et par l'ajout d'une troisième, le réel s'actualise et se déforme comme une ombre tantôt grimaçante, tantôt raccourcie par la verticalité du principe. On sera sensible au fait qu'on retourne littéralement la caverne de Platon pour la rendre à Aristote et faire sourdre le ciel de l'intérieur de la matière. Le mathématicien René Thom, dans son esquisse d'une sémiophysique, dit « On essaie de reconstruire les êtres dont on voit les ombres, reconstituer un corps tridimensionnel à partir de son contour apparent, telle est la tâche herméneutique par excellence. » Rajoutons que dans le symbolisme, les cycles temporels sont intrinsèquement liés à l'espace, ce qui n'est pas sans rappeler l'espace-temps. Pour faire bref, nous avons les quatre âges de l'humanité comme ceci. Nous avons l'Orient, l'or et l'Occident, l'oxydation, qui forment le mouvement de déclin du soleil et du déclin de l'humanité en traçant l'Hespérie, avec le vieillard de Crète qui pleure en regardant Rome. Dante dit se trouver au milieu de l'âge de fer, ce qui amène à un déluge et une montée des eaux vers 2600 avec l'Apocalypse et la montée de la Jérusalem céleste, compensée par la descente de Jérusalem terrestre en début de cycle. La Jérusalem céleste, par sa forme, opère un passage du cercle au carré, quadrature du cercle symbolisant l'achèvement de l'initiation, la cristallisation des possibilités du cycle. Ici, nous allons nous arrêter sur le retournement de Dante dans la Trinité. Trinité qui serait, selon moi, comme la symétrie des jeûneurs du purgatoire, dont le visage est si maigre qu'on peut lire directement dans leur forme « homo »,« homme » en italien, mot écrit par l'arcade des deux yeux et l'os du nez. Or, justement, la Trinité, lorsqu'on la trace, forme par jonction des cercles les yeux et le nez d'un visage que Dante dit apercevoir. Mais on sait bien que voir Dieu se fait par un troisième œil frontal, et si Dante voit son visage, c'est un visage idéal, purgé de tout aspect fortuit, où tout ce qui dans le visage n'est pas rien que le visage est écarté par l'énergie de l'image de Dieu, qui jaillit malgré l'épaisseur de l'écorce matérielle. Plus que visage, une icône faite de verbe.
De plus, le troisième cercle, dont le gauche est le soleil et le droit la lune, rentre en éclipse avec le troisième pour n'en former plus qu'un. Dans le périmètre carré du M, on obtient ainsi la quadrature du cercle, soit l'expire de Dante hors du principe. Rajoutons que Dante dit du troisième cercle qu'il respire, c'est-à-dire que par lui, on trace le nez en accédant à la vérité des cycles. En effet, pour résumer tout ce schéma en une formule simple, on dira que le tout fonctionne comme une respiration, du principe au manifeste jusqu'au principe. Toute expiration est une expansion qui, à l'échelle individuelle comme à l'échelle humaine, doit entraîner une inspiration, soit une rétractation et un recentrement. Que cela prenne la forme d'une initiation ou d'une surpopulation suivie d'un déluge, c'est toujours l'aspiration vers le point afin d'entrer dans un nouveau cycle. Axes eux-mêmes repris par le verbe, symbolisés d'une épée à double tranchant de création et de destruction, permettant de couper l'arbre à la racine pour faire une effraction dans le principe des choses par la parole, ce que nous faisons en ce moment même. Pour finir, nous pouvons placer les éléments de Florensky dans le schéma, soit la surface réelle horizontale et la surface imaginaire verticale fracturée par l'eau du fleuve. Florensky dit « Le domaine des imaginaires est réel, concevable, et dans le langage de Dante, il s'appelle l'empiré. La transition de la surface réelle à la surface imaginaire n'est possible que par la fracture de l'espace et le retournement du corps à l'intérieur de lui-même. La longueur du corps à la limite de la terre et du ciel devient égale à zéro, et la masse infinie et son temps observé de côté est infini. » Ce qui correspond à la description d'une singularité en physique, soit dans le sens d'une inspiration comme pour le trou noir, soit dans le sens d'une expiration comme pour le Big Bang. On peut donc tracer la courbure de l'espace-temps au voisinage du point qui fracture l'espace en deux. On remarquera qu'au pied de l'arbre, c'est-à-dire du point, est la fontaine d'enseignement dont la vertu rend éternelle. Ainsi, par analogie, l'effondrement de la gravité au centre des trous noirs, dans laquelle le temps se courbe jusqu'à ne plus couler, en est comme la manifestation mathématique. Point d'ailleurs inatteignable sauf en l'infini, mais Dante parle précisément d'unir son regard avec la valeur infinie, avant d'en perdre la force car son corps étant fini, il ne peut se maintenir être Dieu. Alors il faut répéter les paroles de l'amour au début de l'œuvre. Moi, je suis comme le centre du cercle auquel se rapportent semblablement tous les points de la circonférence, mais toi, tu n'es pas ainsi. Ce qui nous amène sur deux schémas. En effet, dans la relativité, l'espace-temps est fini, mais sa limite, Florensky et d'autres la décrivent comme une courbure infinie. Florensky dit qu'à la périphérie, en se serrant jusqu'au zéro, le corps s'effondre, s'écroule, s'abîme au travers de la surface porteuse, l'espace se brise avec une vitesse supérieure à celle de la lumière. Or, cette vitesse est d'une grandeur imaginaire, puisque devenant la racine carrée d'un nombre négatif. On a donc, du côté réel, la relativité et la brisure de symétrie, et en l'infini dans le point, c'est-à-dire en Dieu ou dans l'état Big Bang, l'immuabilité. En effet, la singularité du Big Bang à l'instant T0 est un état limite qui précède le temps et l'espace et où la mécanique quantique, pas moins que la relativité, n'ont à s'appliquer. N'est-ce pas justement cet état d'avant le Big Bang que la physique contemporaine, ni la mécanique quantique, ni la relativité n'arrivent à penser précisément, parce qu'il n'y a pas de physique dans le point sans dimension, mais uniquement de la métaphysique et de la géométrique qui, à proprement parler, n'existe pas. La relativité se crée dès l'instant où l'idéal se manifeste dans 10⁻¹⁵ cm, mais la relativité est seulement réelle, l'idéal, lui, est immuable. Savoir si c'est effectivement un point sans dimension ou encore le passage par un rebond qui tend à son état limite dans le point, cela n'importe pas et ne relève que de savoir si le manifeste passe entier dans son principe. À tout le moins, le principe est hors du temps et sa manifestation relève immédiatement de la relativité. À tout le moins, comme tente de le penser Florensky, le monde est dédoublé. Voici le second schéma où est représenté le dédoublement de l'espace au voisinage d'une singularité. Dans l'espace réel et pour celui qui le voit de l'extérieur, le corps de celui qui s'en approche, représenté en noir, s'immobilise vers le point, tandis que vécu de l'intérieur par celui qui s'en approche, dont le corps vécu est situé en blanc, l'espace et le temps se courbent à l'infini, ce qui fracture l'espace euclidien en deux, de sorte que le temps, pour lui, ne s'écoule pas à la même vitesse, et l'espace se courbe si vite que son éloignement est supérieur à la vitesse de la lumière. Alors il voit une infinité de fois l'univers à 360 degrés derrière lui, par image fantôme. Dans l'espace réel, le volume diminue jusqu'au point. Dans l'espace imaginaire, le point devient un axe à l'infini. Sa présence réelle courbe ce qui l'entoure. Donc, réellement, le point n'est jamais atteignable, mais dans l'espace imaginaire, réellement idéal, puisque entièrement mathématique de la courbure, le point est alors atteignable en l'infini. Il est l'unité sans dimension éternelle.
Le passage d'un référentiel à l'autre est continu, mais dissocie la cohérence. On reconnaîtra là le principe qui manque, achevant le poème par la quadrature. Par ailleurs, l'entrée dans le principe se fait analogue à l'horizon d'un trou noir, alors que sa manifestation se produit comme un Big Bang ou un hypothétique trou blanc. Mais bien plus, la métaphysique et les mathématiques se manifestent dans la physique, là où à l'inverse la physique nous donne un chemin visible de forme et de transformation pour remonter jusqu'au noyau des choses et leur donner un sens. Chemin que René Thom a appelé sémiophysique, une physique du sens, nommant ces formes des spectres, bords d'un centre obscur. Étendons maintenant cela à une phrase du 4e siècle avant Jésus-Christ du taoïste Chuang Tzu qui dit « Ce point est le pivot de la norme, c'est-à-dire ce point est le pivot des lois physiques, d'où l'on ne voit qu'un infini, qui n'est ni ceci ni cela, c'est-à-dire avant la manifestation, tout voir dans l'unité primordiale non encore différenciée ou d'une distance telle que tout se fond en un, voilà la vraie intelligence. Nous avons là la description exacte d'un trou noir et de ses asymptotes. Cela montre s'il était besoin l'exactitude des métaphysiques et géométries traditionnelles tenant intactes face aux découvertes des sciences. Vous remarquerez qu'on a l'habitude de les opposer par manque de connaissances dans l'un ou l'autre des domaines, ce qui est préjudiciable. Quand une étoile implose par épuisement de son combustible, il n'y a plus de pression et la gravité seule joue. Il arrive que la matière entre alors à l'intérieur de son horizon, sa taille physique est à l'intérieur de son horizon, ce qu'on appelle trou noir. On peut donc imaginer une dimension intérieure au réel, purement mathématique, l'axe I retourné vers son centre, dimension que les trous noirs manifestent localement, bien que ce qu'ils manifestent soit le non-manifeste même. Dans un aspect purement mathématique, cela concorde avec cette remarque de Florensky. Conformément à l'interprétation donnée aux imaginaires, la courbe peut quitter la surface et descendre dans sa profondeur. C'est là que par infinitésimale, Florensky attribue des hauteurs à un plan de hauteur nulle, qualifiant les intentions des courbes. Autrement dit, l'étoile quitte la surface réelle en se retournant sur elle-même et en entrant dans une dimension imaginaire, où sa masse est mise à l'intérieur. Cette dimension invisible s'appuie sur un point de l'espace-temps. Il est le point reliant les axes dimensionnels lui-même, ce qui permet une masse suffisamment dense pour courber l'espace-temps jusqu'à créer une frontière réelle entre le réel et l'imaginaire. On peut concevoir clairement que la courbure atteint le point en l'infini, dans un espace infini parce que mathématique et non manifeste, mais dans l'espace fini réel, l'asymptote ne touche jamais l'axe horizontal, autrement dit la part idéale est irréductible à toute réalité, non l'inverse. On peut avoir de l'idéal pur mais pas de la réalité pure. Quant à descendre sous la surface, c'est exactement le conseil de la Divine Comédie, le trajet de l'initiation en général, descendre et se retourner. Descendre sous la surface de la Terre pour enfin descendre sous la surface de l'espace-temps lui-même où se situe le paradis céleste. Pour conclure, finissons par ces paroles de Dante s'adressant à Béatrice. « Chère racine qui va si haut » et nous entendons ici l'arbre enraciné au ciel. Donc « Chère racine qui va si haut que tel l'esprit terrestre voit ne pas admettre dans un triangle deux obtus, tel tu vois les choses contingentes avant qu'elles soient en contemplant le point auquel tous les temps sont présents. » Ce que j'interprète littéralement par « De même que nous, esprit local, voyons tout de manière euclidienne et manifeste, de même Béatrice voit tout du point de vue d'une courbure maximale qui est la singularité d'un point de type trou noir ou Big Bang. Car justement, dans cette géométrie elliptique, dont le modèle est la sphère, deux obtus peuvent entrer dans un triangle par courbure. Béatrice voit tout depuis cette courbure primordiale avec autant d'évidence que pour nous la géométrie d'Euclide. » Passage en paradis 17, jamais relevé ni par Florensky, ni Halsted, ni Weber, qui pour leur part avaient découvert en paradis 13 une équivalence non euclidienne pour le demi-cercle duquel on tire un triangle. Telle est la prophétie de Dante, 5 siècles avant l'invention de la surface de Riemann et 6 siècles avant l'invention de la géométrie courbe par point carré. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, des choses, ça c'est chiant. Aucune question, c'est tout simple. Alors, évidemment, le travail de Thibault, je trouve merveilleux, irradiant, est difficile parce que vous pourriez peut-être bien leur montrer où nous sommes aujourd'hui sur votre schéma. Donc là, nous, à Lyon, on est à peu près là. Hein? C'est ça. À peu près là. Le soleil se couche. Et si vous étiez à Brest, vous seriez là. Ou si vous étiez à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous seriez là. Si vous étiez en Inde, vous seriez là. Si vous étiez au bout de l'Inde, au bout du
au Torah du Bengale, vous seriez là. D'accord ? Et ensuite, il n'y a plus qu'à promener votre main pour comprendre que ici, donc, c'est un passage très précis. Tout ce qu'il a dit sur l'arbre, ce n'est pas du tout inventé. C'est un passage très précis où Dante arrive auprès d'un cours d'eau, ce qu'il a effectivement rappelé ici, le point de bifurcation, c'est la surface du fleuve. Et il s'aperçoit que l'arbre n'est plus dans le bon sens. Alors, là où vous allez être un tout petit peu forcé, il dit simplement qu'au lieu que le sapin soit triangulaire vers le haut, le sapin est triangulaire vers le bas. Vous, vous avez supposé que c'est un arbre complètement inversé, comme s'il s'inversait au sens platonicien. Ça, c'est un tout petit peu plus forcé. Ouais. Est-ce que vous avez une réponse à cette difficulté? Oui. Parce que c'est uniquement la frondaison que Dante voit inversée. Ouais, mais il ne parle pas du tout des racines. Ouais, le tronc, de toute façon, est vertical. Oui. Mais il ne parle pas du tout des racines. Du coup, ça laisse supposer le symbole de l'arbre inversé. Que, en fait, du coup, dans les interprétations, par exemple, Gustave Doré le représente juste avec les racines en bas, avec, oui, comme ça. Oui. Par contre, Botticelli et plusieurs autres représentent l'arbre vraiment à l'envers. Ah, si Botticelli l'a fait, alors là, vraiment, là je veux dire que je suis impressionné. J'avais pas remarqué que Botticelli l'avait rendu. Si, parce que Botticelli, parce que justement, Gustave Doré est vachement littéral dans ce. Absolument, oui. Donc, du coup, souvent, il loupe tout ce qui est symbolique ou des géométries plus complexes. Oui. Et tandis que Botticelli, quand même, travaille plus. Enfin, plus les symboles et qu'est-ce que ça... Bon, alors, sur le principe de discontinuité qu'il a illustré, donc le principe de discontinuité, hein, ça consiste à entrer dans l'épaisseur de ce plan et qui devient vertical et qui comprend tout le paradis. Alors, j'ai retrouvé donc un passage que j'avais manqué de citer, même si je l'ai bien sûr célébré. Florensky, donc, page 77... dit qu'il y a deux horreurs qu'il faut surmonter si on veut entendre la Divine Comédie. Je vous lis le texte. Hein. Il est temps de faire tomber les deux épouvantes de la pensée. Celui de l'imaginaire, mais pas du tout au sens de Gilbert Durand ou de Bachelard. Il ne s'agit pas d'un imaginaire matériel, ni d'un imaginaire sans géométrie ou sans logos. Hein. C'est la géométrie, comme l'a dit, la seule façon de construire, de conquérir l'imaginaire. Et il ajoute, et celui de la discontinuité. Donc là, c'est la rupture avec les mythes. Il est temps de s'affranchir de cette aurore imaginarii et de l'aurore discontinuitatis. Et à partir de là, on est conscient qu'il ne peut pas y avoir de théodicée, mais seulement de théosophie. C'est-à-dire que la théodicée, c'est l'expansion du modèle du calcul infinitésimal à toute la phénoménalité, y compris celle du bien et du mal. Et la théosophie, c'est le déploiement au-delà de la question de l'existence, de ce qui advient dans l'épaisseur du plan, quand V2 prend une valeur différente avec C2. C'est l'équation que vous avez écrite. Voilà ce que je pouvais ajouter à votre travail pour essayer de l'éclairer. Alors maintenant, si vous avez besoin d'entrer dans cette extraordinaire fable. Oui, c'est ça. C'était juste pour une explication sur le titre que vous avez choisi. Peut-être que ça mérite un peu plus de... L'amour comme un cercle. L'amour comme un cercle, oui. C'était parce que... Je l'ai cité, d'ailleurs. Il l'a cité. Parce que ce qui était difficile, c'est qu'il citait Dante comme s'il était Dante et il ne donnait pas les guillemets. il y a un moment dans la Vita Nova, donc la première œuvre de Dante, où il rencontre... L'amour vient auprès de lui alors qu'il pleure dans sa chambre. Et l'amour a un discours que je vous recommande de méditer. L'amour dit... je suis comme le cercle dont tous les points sont égaux par rapport au centre, et toi, tu n'es pas encore ainsi. Et la légitimité de notre enquête vient du fait que cette phrase extraordinaire de l'amour n'est pas simplement un passage parmi d'autres de la Vita Nuova, mais va accompagner toute l'œuvre de Dante par l'intersection de d'abord la quadrature du cercle, qui devient le problème principal qui achève le paradis, et par l'intersection des trois cercles. Là où Thibaut a vu une chose que moi j'avais jamais vue, c'est absolument extraordinaire, moi j'avais effectivement supposé que les trois cercles qui s'entrecroisent font le visage humain. Mais ce que je n'avais pas vu,
c'est que le diable lui-même avait cette structure, puisque il a trois têtes, et que ces trois têtes sont exactement le même type d'intersection. Les yeux et le nez, en fait. Et ce que Thibault a vu, que moi, je n'avais pas vu, c'est que c'est une lecture possible de Homo, puisque Dandy, quand on voit un homme qui a beaucoup maigri, quand on voit une femme, en l'occurrence, dans la comédie, qui a subi un siège et qui va mourir de faim pendant ce siège, on ne voit plus que les deux orbites, O, et la courbure du nez, M. Et donc, réduit à sa plus simple expression squelettique, un homme est un homo. Et donc, comme le dit très justement Thibault, ces deux O, si on les entrecroise et qu'on les soumet à la règle de la quadrature du cercle, on voit apparaître le M. En rajoutant le troisième cercle. Le troisième et si on ajoute le troisième cercle, on a à la fois le diable et la trinité. Donc le diable et la trinité sont bien le produit de l'homo en tant qu'il devient se confrontant à la verticalité du plan dans l'imaginaire et la discontinuité, ce que tu as dit maintenant. Oui, j'aurais juste deux questions. Une simple et une compliquée. La simple concerne la question. Là, tu parles fort. La première question, qui est la plus simple, concerne l'idée d'intuition-discours chez Ferenczi. Ouais. Puisque l'intuition est évidemment ici une intuition intellectuelle et pas une intuition liée à l'affectivité dans une esthétique transcendantale. Absolument. Oui. Et le discours relève l'histoire de la raison. Oui. Donc, est-ce que c'est le moyen de finalement penser que c'est non pas la philosophie négative de Schelling qui est présupposée, pas la philosophie positive, mais la négative qui est présupposée, puisque ça consisterait à faire de l'intuition intellectuelle du jeune Schelling le présupposé du travail de la raison chez Hegel, au sens où on pourrait dire que le premier chant de la Divine Comédie n'est pas le premier chant de l'enfer, mais le dernier chant du paradis, à cause du fulgor et de l'éclat qui vient saisir Dante, et qu'au fond, il faudrait renverser l'ordre des lectures. Si c'est ça ta question simple... Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est effectivement... Il y a je saisis deux points... Que ce soit sur la base des deux philosophies de Schelling, c'est insupportable. On vous revoit un jour. Que sur la base des deux philosophies de Schelling, c'est absolument certain. Et que on puisse dire que la philosophie euclidienne est la philosophie positive et que la philosophie négative est la philosophie non euclidienne, c'est une très bonne lecture. Et c'est ce qui montre que, à mon sens, Florensky est beaucoup plus profond que Schelling, parce que Schelling, il a quand même un télos, c'est-à-dire qu'il va du négatif au positif. Tandis que ce que tu proposes, c'est de le lire à l'envers, et je pense que c'est pour ça qu'il dit, je reprends mes concepts à Soloviov, ton Soloviov, lui, il est vraiment un Schellinger reconnu, mais je les transforme. Et effectivement, on pourrait dire que c'est par retournement. Et donc, moi, je t'ai toujours enseigné, effectivement, que la vraie lecture de la Divine Comédie n'était pas de l'enfer jusqu'au paradis, mais du paradis jusqu'à l'enfer. Pourquoi j'ai soutenu ça? Pour effectivement, c'est ce que dit très bien Schelling, Florensky, il dit, les modèles euclidiens n'expliquent pas pourquoi c'est Dante qui écrit la Divine Comédie, alors qu'il est revenu en enfer. Il est revenu à Florence. Il est revenu à Florence. Bon, il n'est pas revenu à Florence, en réalité, il est revenu à Ravenne. Mais donc, à Ravenne, c'est fait la courbure de l'espace. Donc, tu as parfaitement raison de dire que c'est l'éclair qui conditionne la courbure de l'espace. Tu as parfaitement raison. Le modèle que propose Florensky est, on peut dire, la face que ne verront jamais les Schellingiens professionnels, qui ont un gros télos qui consiste à faire de la philosophie de la mythologie et puis à décrire des formes de sens émergentes dans l'histoire. Hein, que ce soit marqué au mieux, au fond, il va trouver un ésotérisme de Schelling. Pierre Baron, Alexandre Arnaud, enfin, toute l'école schellingienne française. Bon. Donc, je suis d'accord que la lecture à rebrousse-poil est parfaitement fondée. Il y a une chose qu'on pourrait d'ailleurs ajouter, que tu disais implicitement. Tu dois absolument lire les trois syllogismes de Hegel, qui sont trois cercles, et qui proposent des lectures exactement semblables pour l'intégralité du système de Hegel. Donc,
si moi j'ai toujours proposé de lire la famille d'esprit aussi à l'envers, de la même façon, c'était pour mettre au point le contenu du troisième syllogisme. Bon, donc ça c'était parfaitement. Alors ton autre question c'est quoi? Alors, c'est la plus compliquée. Parce que dans mes jeunes recherches, j'ai trouvé deux tests centraux sur les retournements chez Dante. Et effectivement, le test de Florenzi et le test de Jean Tantins, le premier livre sur Dante s'appelle Dante l'Apothéose, où effectivement Tantins reprend exactement tous ces aspects, à savoir la réciprocité des trois figures de Lucifer, pas de Satan d'ailleurs, les trois cercles de la divinité. Ah ça, Quentin, ça l'est vu. Bien sûr. Ouais. Sauf qu'il montre que le retournement est il reste dans un espace euclidien en pensant que le retournement est le seul moyen de vaincre le principe d'inertie et de la pesanteur. Et ça, ceci m'amène donc à mes deux remarques. La première, c'est qu'il il montre qu'on ne peut pas voir chez Dante les cercles du paradis selon exactement ce schéma de l'inférieur et du supérieur, puisque ça mettrait trop en jeu un débat entre l'orthodoxie et le catholicisme, puisque voir au fond c'est le problème du filioque, et il lui oppose un autre aspect qui est la lecture de la Trinité à partir du livre des figures de Joachim de Flore, ou du pseudo Joachim de Flore, en insistant non plus sur un problème lié au retournement de la géométrie, mais au retournement des lettres, puisque c'est le passage où les trois cercles présentés linéairement, mais avec la discontinuité de leur point de jonction, ne forment plus simplement une figure physique, mais forment une figure symbolique qui est liée au tétragramme divin, ou à sa reprise sous le rapport entre le I et le E. Tu fais allusion à la question du mot comédia, mais on n'a rien pour écrire ici. Oui, aussi, oui. Mais justement. Parce qu'il reprend le modèle du mot comédia, parce que toi, tu as le même problème, c'est que tu fais C-O, ouais. Tu as tu connais ce schéma-là. Et le M, ouais. Qui ouais, reprend oui, homo. Mais... Donc là, comédia, c'est exactement comme ta homo. Et après, et dia, ouais, la divinité féminine, évidemment, Béatrice. Donc ça fait como et. Béatrice, donc Homo et Béatrice. Ouais. Voilà. Et c'est Arnaud qui est un génie. Tiens. Donc. Je l'avais mis au début. Mo et Dia. Donc, ça, c'est Rossetti qui a inventé cette théorie-là. Hein. Donc, si vous faites O, cache, éclipse, donc. Ça, c'est comme. Un opercule, hein, et ça, voilà, M, O. Et là, à ce moment-là, nous avons 1, 2 et 3, c'est-à-dire cette figure-là que tu as dessinée. Et la déesse. Dia, la déesse. Alors, c'est ça qui fait Quentin. Il montre, il a insisté sur un autre point dans le second livre sur Dante, sur le passage de Homo à la fleur de lys et à l'aigle. Ah oui, il y a ça, oui. Ça, tu n'en es pas servi de ça, de la fleur de lys. Non. Ouais. Et surtout, il insiste sur le fait que Dante, après, reprend l'idée de parole interrompue. Exactement dans ce même champ, c'est pas exactement la parole latine du Parfum 9. Mais c'est... Une passage qu'on a fait ensemble sur Virgile. Oui, mais justement. Il y a un trou, effectivement, dans le texte. Il y a un trou dans le texte. Oui, mais Dante le reprend au paradis, puisqu'il reparle de paroles qui se brisent, justement, à propos de ce fameux jeu sur OMO et sur l'aigle. Oui, dans la Divine Comédie, vous avez la phrase dans le ciel, il apparaît des âmes qui écrivent des paroles. Et il est écrit d'iniquité justitiam. Et le M qui est là, donc le même que celui-là et que celui de Homo, du nez, hein, le M qui est là, se transforme, alors, dites-moi, Cécile, en lice. En aigle. Voilà, d'abord, il y a quelque chose qui. Voilà. Une tête. Il y a une tête qui surgit là. Et j'ai pas tout à fait le texte. Ça fait le lys, de toute façon. Voilà, ça fait le lys. Et ça fait aussi
Un sorte de chrisme qui vient, c'est l'empire, l'empire et le pape. Donc monarchie, voilà, monarchie, voilà, merci. Voilà, donc c'est à ça qu'on est en train de faire allusion. Et alors, donc il fait quoi avec ça alors? Il insiste surtout sur l'importance des jeux. C'est une autre intervention qu'on n'a pas faite. Excuse-moi, mais c'est comme si on prenait juste. Tu veux dire quelque chose? Oui, non, mais c'est pour le temps. Une question. Oui, on va être en retard, c'est ça que tu veux dire. Oui, sinon on n'a plus le temps. Mais de toute façon, on est retenu qu'à 13h. Non, j'y pense. C'est juste pour la. Pour la règle. Pour la règle. Tu veux conclure? Non, c'était simplement voilà, le fait que je crois qu'il doit trouver exactement le point de conciliation entre le passage, enfin le texte de Florence Steele et la manière dont Quentin se redéploie. Merci. Voilà. Dans un espace. Voilà.